Eh bien bonjour à tous tout le monde, c'est Draco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Daylight. Écoutez tout le monde, c'est parti. Donc là on est parti pour faire la quête de Spider l'estropié. Faut récupérer des objets. Donc j'ai pas très bien saisi le truc. La quête c'est récupérer des objets. Prenez le sac de Spider, ok. Trouvez la personne à l'origine de la fumée. Je suis tombé sur un gars blessé, Spider. Il a été attaqué par les hommes de Rice. Spider dit que lui et son ami David savent où l'épidémie a vraiment commencé. Il veut que je lui rapporte des choses pour. Il veut que je lui rapporte. Donc en fait, Spider veut que je rapporte des choses à David. Et alors David m'expliquera tout. Ok, c'est parti. On va faire cette quête. Je sais pas où elle se trouve sur le plan. J'ai démarré d'ici. Ah, on a des points. Attends, moi je vais attendre ça, hein. Je vais attendre ça avant de placer les autres points. Parce que je pense qu'on pourra tout prendre. Donc alors, carte. Elle est où cette quête? Ok, là, donc on va mettre un point bleu. Et je sais pas, on se trouve où, mais c'est parti, on y va. Ah, on se fait quelques zombards. Ah, il y a un point bleu. Il est où? Ah bah il est apparu automatiquement, il a disparu direct là. Ah, un petit coffre. Ouais, super, voilà, câble électrique, rouleau, c'est du bon. Allez, un petit coffre en début de partie. On va voir ce que ça donne. Ok, une épée. Combien? Je vois pas combien ça fait. 587. Donc. Non. Ok, donc je la vendrai. Attendez, il est où le... Je sens qu'on est pas loin de là où il y avait l'endroit où il fallait récupérer plein de trucs. Chez Dawood, enfin dans son magasin, pas chez lui mais dans le magasin. Ah.
Donc ce serait où Daoud là? Je pense que c'est plus par là. Mais je sais pas pourquoi, mais je les loupe tous depuis le début là. Enfin, pas tous, mais ah ouais, c'est eux les zombies qui te mettent des patates, frérot. On va allumer ça. Hein. Allez, oui, viens. Allez, oui, oui, tu peux, tu peux. Oh là 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 là, j'ai pas fait attention à ma barre de santé. Hey, viens voir ici. Ouais ouais ouais, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? J'avais dit que j'allais vendre l'épée. Elle est où l'épée? Épée médiévale, 587. Ouais. Par contre, la dynamite, j'ai essayé de voir si on peut les fabriquer. Bah, j'en ai pas vu. Hein. Donc, ça m'étonne qu'on en aurait 3 dans tout le jeu. Bon, il est où ce point orange là? Allez, on y va. Ah, j'essaie de capter le magasin d'Awood, mais là, non, c'est pas ici. Hein. C'est quoi ça? Tu es Calcrane, n'est-ce pas? J'ai entendu Aman parler de toi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'appeler 31. On est tous humains ici, pas vrai? Pas que des nombres. Ouais, je suis Crane. Et toi, qui es-tu? Alouk. Alors donc, tu as rencontré Spike, non? C'est un peu notre savant fou à nous. Ouais, je connais Spike. Spike,
racontent tout un tas de trucs, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'ils ne disent pas. Comme son vrai nom, Rudolf, ou bien que son anniversaire est pour bientôt. Il va avoir 50 ans. Il les fait pas, hein? T'es en train de me demander de lui trouver un cadeau d'anniversaire? Oh que non, mon Dieu. Il déteste les anniversaires. C'est juste que je louais une chambre à Spike quand l'épidémie a commencé. Alors, je suppose que je le connais mieux que quiconque à Ara. Tu sais qu'il enseignait à l'Université de Californie du Sud. Il a décidé de prendre, comment on dit, une année sabbatique. Il y a eu comme un incident avec une étudiante très attirante. Attends, Spike a quitté son boulot et il est venu à Aran parce qu'il avait une histoire de cœur avec une de ses étudiantes. Ses parents semblaient croire que c'était le seul moyen pour elle de passer au niveau supérieur. C'était pas des lumières, si tu veux mon avis. Non, il n'y a pas eu d'histoire. Que des accusations. Et je crois que c'était même pas l'idée de la fille. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour Spike? Eh bien, si tu pouvais juste lui dire qu'il me manque, d'accord? Sa chambre, elle est toujours disponible. Ah, ok, je vais m'en occuper. Et c'est où? Donc ce serait dans la tour? C'est une blague? Bon, allons-y, hein. Gouvernement? Pour l'instant, j'ai mes armes. C'est quoi ça? Buckshot. Viens à toi. Je vais te faire un bon prix. Ok. Ok, donc c'est parti. Donc là, c'est là, ça concerne la vieille ville. Sérieux? Purée, j'aurais fait tout ça pour rien? Voilà, vieille ville, super. Avant-poste. Sa vie, donc vieille ville. Avant-poste, station sa vie, vieille ville. Vieille ville. Vieille ville. Il y a plus de quête dans les bidonvilles là. Ça fait pareil comme ça, frérot. Regarde un peu où tu vas. Ouais, et toi, regarde un peu comment tu mets ton masque. Alors Alfie, ça va? Ça va frérot? T'as quelque chose? Non? Et toi Christophe, ça va tranquille? Grosse réserve. Ah non mais ça crie, tu sais même pas pourquoi ça crie, qu'est-ce qui se passe là? On est enfermé ici, comme des rats en cage. Ouais, c'est pas Christophe, il prend une petite pause. Donc c'est quoi que j'ai trouvé C'est couperet d'abattoir que Spike m'a filé là. Le gars il attend juste en bas pour voir Spike. Spike il est là. Donc ce qu'on va faire vu qu'on est là, et qu'on va pas retaper tout le trajet parce que je savais pas que cette quête c'était ça. J'ai pas bien regardé. Donc on va faire ça, Buckshot. Je m'appelle Buckshot et je suis garde à la tour. Tu t'es fait une sacrée réputation. Que puis-je faire pour toi? J'explique les techniques de combat contre les mordeurs aux nouvelles recrues. Les gens ont pas trop l'habitude de devoir affronter des adversaires de ce genre. L'apprentissage est rude. Je me disais que tu pourrais peut-être leur faire une petite démonstration. Je te filmerai et je me servirai ensuite de la vidéo pour former les traceurs, les gardes, les éclaireurs, à tous ceux qui en auront besoin. Ça nous aiderait beaucoup et je pense que tu sauverais la vie à pas mal de gens. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai la meilleure camelote de toute la ville. Ouais. Allez, hein. Ça me plaît bien. Je veux bien essayer. Tu es 40 infectés avec une arme spéciale dans un parti. Ouh, c'est, même si elle marque facile, ça risque d'être chaud.
Donc j'ai reçu le défi ou pas? Un survivant de niveau 25 peut gagner des armes d'or en activant les invasions et en augmentant leur rang. Ah, je vois pas de quoi ils veulent parler là. Purée, purée, le sabre, c'est de la bombe. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Il faut que les gens en survivent. Tu devrais peut-être rentrer, te reposer un peu. Non, ça me plaît bien, je veux bien essayer. C'est parti. Barre explosive, comment tu veux? En plus, j'ai l'impression que quand je tape les ennemis et que je. Les abats avec. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Il faut que les gens en survivent. Tu peux peut-être rentrer, te reposer un peu. Comment tu veux faire avec une batte de baseball? C'est incroyable! Non mais t'as désinfecté de partout, t'sais. Mais purée, mais comment? Vas-y, je vais utiliser des grenades, hein. Bah, les grenades, ça va encore plus les attirer. Donc ça a l'air d'être plus con. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Il faut que les gens en survivent. Tu peux peut-être rentrer. Non mais quand tu tapes un zombard avec ta batte, ça le tue pas, en plus c'est marqué facile, c'est incroyable, c'est incroyable. Va pas en haut comme ça. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le remède, c'est les pétards. Allez, basta. C'était génial. J'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Les pétards. Parfait. Et viser la tête. On pourrait peut-être faire ça avec des scénarios différents un de ces jours. Merci en tout cas. Ouais, c'est de la... c'est bien, c'est classe, hein. C'est de la bombe qu'ils aient rajouté des défis comme ça là. Franchement, c'est de la bombe. On peut recommencer? Non? Donc Spider l'estropié, c'est pas la peine. Y a quoi?
Y a rien qui est dans le... Je me suis trompé entre vieille ville et... On va aller voir... Donc apparemment, Tobias, il s'est mis dans la vieille ville. Là, c'est bidonville, guide de survie. Un des gardes de la tour, Buckshot, m'incite à montrer ce que je sais faire contre les zombies. Autant aller voir Buckshot quand il aura de nouveau pour vous. Ok, donc c'est ça. Traceur jaloux. Médecin de famille. Ok, donc allez, traceur jaloux. Donc ça, c'est dans la vieille ville. Et que c'est pas loin. J'essaierai les battes de baseball. Car ça. Batte de baseball avec impact. Ah, il y a un point bleu. Donc on y va. Ah, il est mal. Ah, il est pas bien du tout. Le magasin avait déjà été pillé. Me faire piéger là-dedans pour rien. Mais en tout cas, merci. Bah, piégé, maintenant il n'y a plus de zombards, tu peux sortir. Aussi vite que je sais pas quoi, tu vas pas m'empêcher de prendre des champis. On va se faire une bonne omelette aux champis, voyez, pour faire des espèces de petites ratatouilles, des omelettes avec des pommes de terre, etc. Des bons champis là, c'est du bon. Donc c'est par là. Ah oui, c'est là.
Oh, yeah. C'est là? Non, c'est pas là, c'est pas là, hein. Non, 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 c'est pas là. C'est juste derrière. Qu'est-ce que tu veux me dire ici, Jafar? T'as quelque chose à me dire? Ah bon, récupérer une prime? Ok. Ok, 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 ok. Donc lui il est toujours là. Ok. Donc là c'est quoi? Allez, parlez. J'ai envie de faire une course. J'ai envie de faire une course. On va faire la course. On va prendre ça après. Voilà, c'est là. Je fais des promos pile en ce moment. Ouais, ok. Vas-y, fais ta promo. 16 000, une machette. Ah, c'est pas des promos, ça, frérot. Non, non, mais là. Là, je suis désolé de te dire, mais là, c'est pas des promos du tout. C'est de l'arnaque là. Hein. Ah, batte de baseball. Ah, bah. Ils vendent pas de batte de baseball donc. On tentera la prochaine fois. T'as rien à dire toi, non? Ils ont construit le mur en à peine 3 jours. Ah bon? Tu es tout seul dans le coin toi? Ah ouais, il compte tous les jours où ça a été la Street Zero depuis qu'il y a eu l'épidémie là. Le voilà, le meilleur traceur du secteur. Ouais, mais il y a quelqu'un apparemment. Bah alors il est pas là Ah il est là. Ouais c'est parti. Tiens, t'es toujours vivant. Alors remonte bien tes chaussettes si tu veux battre mon record cette fois-ci. Ok. C'est parti. Remonte tes chaussettes? J'ai un rêve. Allez, c'est parti du con. Oh là, ça arrête d'être loin. Elle est où le. Il est où le point vert là? Il est où? La surbrillance du point vert, elle est où? Non mais là c'est sûr que là c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème là? Non mais là on le voit pas, ce... Bah c'est sûr, hein, il reste que 23 secondes, je sais pas combien il y en a. Il est où? Il est tout là-bas. En plus on peut pas utiliser le grappin. Voilà. On baigne dans la médiocrité, hein. Mais bon, ça te connaît, hein? Ouais, c'est ça. On réessaie quand tu veux. Les points verts cachés. Remonte tes chaussettes? J'ai un rêve. Allez, c'est parti du con. Donc, faut que je me rappelle. C'était par où? Ok, c'est là-bas. Cette fois-ci, j'ai bien vu. Là, c'est là-bas. Je sais pas si de faire un tac, ça fait récupérer la vigueur de Crane. Et on peut recourir directement. Sans avoir de fatigue. Ah, il est là-bas. Ça me tente de prendre le coffre. On va pas le prendre.
Voilà, ok, c'est du bon. T'as réussi, de justesse. Ça risque d'être compliqué la prochaine fois. On peut recommencer là ? Moi je prends planche au sol. Comme ça, hop, ça me fait des clous. Et là, ça donne quoi ? Ça donne des clous, ok, c'est super. Donc écoutez tout le monde, on s'arrête là. La prochaine quête, on ira voir. Apparemment, c'est. J'ai entendu parler qu'il y avait une vieille femme qui faisait d'Alia, qui s'occupait de chez je sais pas quoi. Elle se faisait pas poursuivre par les mordeurs. Il y avait pas de problème, elle pouvait se balader et les mordeurs l'attaquaient pas. Donc écoutez, on fera ça dans le prochain épisode. Donc écoutez tout le monde, je vous laisse là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis bye bye. Et à la prochaine, salut tout le monde, bye. Ok mon gars, ok, salut tout le monde, bye. De quête ou de mission toi, non? Non mais arrête de rester comme ça, tu vas te faire mal au dos gros là. Et là il a quelque chose à me revendre lui. Ah, batte de baseball, mais je peux pas l'acheter. Ok. Non, y'a rien. Ok, donc ok tout le monde, on s'arrête là, je vous souhaite le meilleur, je vous dis bye bye. Salut tout le monde, bye.